Il est 4h30, mais on va juste attendre un peu qu'il y ait plus de gens qui se joignent. Peut-être 1 ou 2 minutes. Donc, on peut commencer pendant que les gens se joignent. Ça nous fait plaisir de vous que vous soyez ici aujourd'hui pour le premier meeting Mon Bug de 2021. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'entendre Zineb et Asia. Je suis sûre que ça va être très intéressant. On est retransmis sur YouTube. Donc, je dois aussi vous avertir que le meeting est enregistré. Donc, pour ceux pour qui ça posera un problème, soyez bien à l'aise de quitter cette réunion et aller nous regarder sur YouTube. Sinon, ben, sachez que on va rendre le meeting disponible sur le channel YouTube de Monkbug plus tard. Les règles d'usage s'appliquent, donc gardez vos micros à mute, s'il vous plaît. Et aussi, on va utiliser le chat de Jitsi ou le chat de YouTube pour poser des questions selon où vous vous trouvez. Et voilà. Pour les petites annonces de mon bug, eh bien, on est toujours à la recherche de présentateurs. Donc, si jamais vous voulez présenter, n'hésitez pas, envoyez-nous un message, ça nous fait toujours plaisir. Et on a un petit sondage qui sera en ligne et disponible sur notre site web juste après le meeting. On voudrait apprendre un petit peu plus qui vous êtes et ce qui vous intéresse. Donc, Nadia, à toi. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être venu, d'avoir accepté donc, la participation à mon bug pour la première de cette année, comme l'a dit Geneviève. Donc, pour la première présentatrice, Zineb, merci. Je vais vous introduire Zineb. Donc, Zineb est une étudiante au DSS de bioinformatique à l'UQAM. Elle est titulaire d'une maîtrise en biotechnologie médicale. Durant son parcours, elle a contribué à la formation menée par des chercheurs d'un réseau panafricain appelé H3A Bionet en tant que professeure assistante. Elle a également fait partie de délégations scientifiques et a représenté le Maroc lors du congrès international African Women in Dialogue organisé par l'Afrique du Sud. Elle a fait partie aussi de l'équipe marocaine de l'échantillonnage de l'eau en collaboration avec la compagnie internationale OSD, Ocean Sampling Day, avec laquelle elle a mené son étude métagénomique de l'écosystème, excusez-moi, marin, qui sera présentée aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Zineb. Encore une fois, merci Zineb d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, je vous remercie, docteur Nadia, pour cette belle présentation, cette belle introduction. J'ai l'honneur d'assister avec vous aujourd'hui et d'être parmi vous. Donc, je vais partager mon écran pour commencer. Je vais vous présenter aujourd'hui un bref récapitulatif de mon étude qui a pour thème l'analyse bioinformatique et métagénomique de l'écosystème marin.
Avant tout, je voudrais me présenter et vous parler un peu de mon parcours. J'ai eu en premier une licence en sciences biomédicales. Ensuite, j'ai poursuivi mes études en biotechnologie médicale, où j'ai acquis plein de connaissances sur tout ce qui est génomique, métagénomique. C'était là où j'ai commencé à entendre les termes bioinformatique, médecine personnalisée, CRISPR-Cas9, etc. Ce domaine m'a trop fascinée. Ça m'a poussée à faire un diplôme en bioinformatique pour avoir un profil de bioinformaticienne et pour travailler dans ce domaine-là. Pour mon parcours, j'ai commencé durant ma licence, j'ai effectué une analyse de biologie moléculaire pour la détection de la présence du non-primate herpesvirus virus. Le non-primate herpesvirus virus, c'est un virus en fait qui est apparenté au virus de l'hépatite C et qui atteint les chevaux en particulier. C'était à l'Institut Pasteur du Maroc. J'ai ensuite fait une étude de métagénomique de l'écosystème marin dont je vous parlerai aujourd'hui. En 2020, j'ai eu la chance de mener une étude à l'UQAM sur la détection d'un virus appelé ATCV1 dans une quarantaine de lacs québécois. Avant de commencer pour le déroulement de cette présentation, il y aura en premier un petit rappel sur les micro-organismes, sur la génomique et la métagénomique. Il y aura une partie biologique sur ce qu'on a fait, échantillonnage de l'eau, filtration de l'eau, le stockage et ensuite le séquençage. Et la troisième partie qui sera l'analyse bioinformatique décompose de trois parties, le pré-traitement ou le pre-processing, l'assemblage et ensuite l'annotation de la diversité microbienne. Pour commencer, les micro-organismes sont très divers la majorité de ces espèces sont incroyablement grands. La majorité de ces espèces sont des micro-organismes, pardon. À l'œil nu, on peut donc tomber dans le piège de voir en fait le monde avec un faux cadre. C'est pour cela que les chercheurs ont développé des outils qui leur permettront d'identifier des organismes qui sont soit indétectables au microscope ou bien inculturables. Ces outils ont été développés sous un champ appelé métagénomique. La métagénomique, c'est un champ de recherche qui vise à étudier les organismes inculturables pour le but de comprendre la diversité microbienne des micro-organismes, leurs fonctions et leur évolution dans les environnements. Cette slide va juste mettre le point sur les différences entre la génomique et la métagénomique. Commençons par la génomique et notamment le séquençage de la 16S. Qui est une amplification spécifique d'un génome d'une communauté microbienne. Les limites de cette technique, c'est le faible coverage ou couverture du génome et aussi le fait que l'amplification est insuffisante pour la discrimination au niveau espèce et souche. Mais les avantages, c'est qu'il est beaucoup plus abordable et aussi il est pourvu d'une large base de données. Contrairement au shotgun whole genome sequencing, qui est un séquençage du génome complet sans amplification et qui permet de désagréger tout l'ADN et de le réassembler. C'est pour cela qu'il est appelé shotgun, car il permet de disperser tout l'ADN en petits morceaux et de le réassembler dès le début. C'est comme un puzzle en fait. Il a certaines limites, comme la complexité des données et aussi la limitation des méthodes, des outils et de la richesse des bases de données. Mais elle nous fournit une couverture génomique très très forte. Pour la partie biologique, on va parler des étapes techniques que j'ai effectuées, à savoir l'échantillonnage de l'eau, la mesure des paramètres physico-chimiques et ainsi de suite. Pour cela, je voudrais vous montrer une petite vidéo de mon intervention dans un journal électronique. Où j'ai parlé à propos de l'idée générale du travail et aussi de la raison principale de la compagnie qui adopte cette recherche. Si vous me permettez, je vais basculer vers la vidéo.
une de Marchica. OSD, ou Journée d'échantillonnage de l'eau, est un projet international coordonné par l'Union européenne, dont une centaine de sites à travers le monde effectuent l'échantillonnage et mesurent les paramètres physico-chimiques de l'eau. L'idée est de comparer la diversité des micro-organismes à travers le monde entier, et le choix des micro-organismes est dicté par leur importance dans l'équilibre écologique et géochimique, ainsi que leur activité rapide par rapport aux changements écologiques et climatiques. Donc voilà, c'était une petite présentation. Mon intervention a été courte mais généraliste. Néanmoins, j'étais trop stressée, comme vous avez pu le constater. C'était la première fois que je parle devant la caméra toute seule. Donc, pour la compagnie que j'ai citée dans la vidéo, le OSD ou le Ocean Sampling Day, c'est une compagnie collaborative de méga-séquençage qui, en fait, permet de générer l'ensemble de données microbiennes le plus large et standardisé d'une seule journée. Et donc, il donne une idée générale sur la biodiversité microbienne et sur les fonctions de l'océan dans le monde entier. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler sur les micro-organismes en particulier? Eh bien, parce qu'ils sont les premiers à être touchés lors d'un changement climatique, par exemple, sans oublier leur importance dans la balance climatique et géochimique. Ici, j'ai juste agrandi la map pour vous montrer les collaborateurs de l'OSD. Donc, le plus grand rassemblement, il se situe en Europe, car c'est une compagnie européenne. Il y a aussi des sites tout au long des États-Unis. Et j'ai aussi constaté qu'il y a un site au Canada sur la baie d'Hudson. Donc, comme vous pouvez voir, l'OSD est à peu près partout. Donc, pour la partie biologique, elle se compose de 4 étapes. La première est l'échantillonnage de l'eau. La deuxième étape, c'est la filtration de l'eau. La troisième étape est le stockage. Et la quatrième étape, c'est le séquençage. Donc, l'échantillonnage a été effectué dans des coordonnées précises en utilisant une bouteille de 10 litres. Et en même temps, on faisait la mesure des paramètres physico-chimiques avec des appareils tels que l'oxymètre, le turbidimètre, ainsi de suite, ainsi que quelques kits pour avoir une idée sur la concentration, par exemple, en nitrate, en phosphate, en ammonium. Troisièmement, c'est la filtration. Donc, on a fait une filtration avec des filtres de 0,22 micromètre pour capter les procaryotes. Ensuite, ces filtres sont étiquetés et stockés à moins 80 degrés Celsius pour les envoyer pour séquençage qui est mené par la compagnie OSD, donc qui effectue le séquençage avec la même technologie pour tous les sites du monde. Le séquençage a été effectué à l'aide de la technologie Illumina dans cette flow cell. Et donc, je vais citer rapidement les étapes du séquençage. Donc, on commence en premier par les adaptateurs qui seront collés aux fragments d'ADN pour que ça sera collé sur la flow cell. Ensuite, on fait une amplification de cet ADN-là pour générer des clusters. Par la suite, on passe au séquençage. Qui consiste en fait à l'incorporation d'un seul nucléotide par cycle. Donc, ce nucléotide est fluorescent et complémentaire à celui de la séquence de l'échantillon. Et le nombre de cycles, il détermine la longueur du read. Et ensuite, on récupère le fichier FASTQ ou bien la compagnie et nous met à disposition des numéros d'accession pour récupérer les fichiers FASTQ. Le fichier FASTQ, en général, il se compose de 4 lignes. Donc, la première qui commence par un A commercial, suivi de l'ID, du read. Ensuite, la deuxième ligne qui comporte la séquence nucléotidique du read. La troisième ligne, elle commence par un plus. Et le ID, dans ce cas, il est optionnel car il est déjà cité dans la première ligne. Et ensuite, la quatrième ligne, elle comporte la qualité pour chaque nucléotide. Donc ici, dans cette capture d'écran, on a le premier read, le deuxième read et le troisième read. Donc,
pour l'analyse bioinformatique pour récupérer mes fichiers FASTQ directement sur le serveur. J'ai utilisé la commande FASTQ dump. J'ai aussi utilisé le split files à côté de FASTQ dump juste pour récupérer les fichiers forward et reverse séparés. Et donc ça, c'est le serveur avec lequel j'ai mené mon étude. Donc c'est un High Performance Compute. C'est une infrastructure composée de 19 nœuds qui offre aux chercheurs et aux étudiants certaines capacités, donc 760 cœurs, 108 TB de stockage, 5,2 TB de mémoire et 2 cartes GPU. Passons maintenant à l'analyse bioinformatique qui commence par le contrôle de qualité. Ensuite, le trimming, troisièmement, l'assemblage et finalement, l'annotation par une pipeline qui s'appelle MGRAST. Donc, le séquençage, il a généré 1,446,509 reads avec une longueur allant de 20 à 300 paires de bases de reads. Ici, je vous ai mis un exemple de fichier. Ces graphes, ils sont générés en utilisant un outil qui s'appelle FastQC. Donc, c'est un outil de contrôle de qualité. Les trois couleurs indiquent les bornes de qualité. Le rouge, il indique une mauvaise qualité. Le jaune, une moyenne qualité. Et le vert, une très bonne qualité. Donc, nous, on veut nos reads qui soient, en fait, au moins entre le vert et le jaune. Donc, c'est pour cela que j'ai effectué un trimming pour éliminer tous ces reads-là, tous ces nucléotides-là, pardon. Donc, Trim-O-Matic, c'est un outil d'élimination des nucléotides qui ont une mauvaise qualité. Et les fichiers que j'ai récupérés après Trim-O-Matic, bien que leur qualité n'est pas parfaite, mais on peut travailler avec. Pour l'assemblage, j'ai utilisé l'outil Spades. Donc, ça, c'est le fichier SH que j'ai soumis au serveur. Là, j'ai utilisé plusieurs caméras. Pour à la fin voir le camère qui a permis l'assemblage avec la couverture la plus bonne. Ici, c'est juste la commande avec laquelle j'ai soumis la job au serveur. L'assembleur, en fait, il fournit un fichier pour chaque camère choisi, en plus d'un fichier nommé quantix.fasta, c'est celui-là. Ce fichier-là, le quantix.fasta, il est généré automatiquement par Spades et il contient normalement l'assemblage avec la meilleure qualité. Donc, moi, l'étape du choix des camères, je l'ai faite juste par curiosité pour savoir en fait quel est le camère qui a fourni le meilleur score d'alignement. Et si je me rappelle bien, lorsque j'ai consulté les fichiers des camères, j'ai trouvé que le camère 101, le dernier, c'est lui qui avait le score d'alignement qui est identique à ce fichier-là, le quantix.fasta. Donc, le score a été de 18,3. Ensuite, j'ai soumis le fichier assemblé à la plateforme MGRAST, qui est une pipeline open source qui procure des résultats automatisés concernant les fonctions et la phylogénie du métagénome sous forme de graphiques, d'histogrammes et de tableaux. Ici, c'est les coulisses de toutes les étapes d'analyse faites par MGRAST. Si tout se passe bien, on peut voir un beau tableau vert. Sinon, il peut y avoir des barres rouges, ce qui requiert une revérification des données soumises. En premier, la plateforme nous donne un sommaire statistique des données. Donc, mon fichier avait 41 400 000 paires de bases, 63 919 reads avec une longueur moyenne allant de 648 paires de bases et un pourcentage en GC de 46. Et il n'y avait pas de duplicat artificiel, donc c'est zéro, ce qui est bien. Et pour le reste, on va le voir dans les prochaines figures. Donc, MGRAST, ici, a pu prédire 100% des caractéristiques dans mon échantillon. Il a aussi réussi à annoter 74,47% de protéines avec un pourcentage de protéines inconnues relativement faible. Pour les domaines prédits, les bactéries ont été dominantes par rapport aux eucaryotes, aux virus et aux archées.
Concernant les phylums prédits, les protéobactéries ont été dominantes avec 56,92%, suivies de bactéroïdes et des chlorophytes. MGRAST, il fait appel à des bases de données qui s'intéressent aux fonctions moléculaires telles que la COG, la NOG et la KO. Parmi les fonctions prédites, il y avait des séquences responsables du métabolisme. Il y avait aussi d'autres qui entrent dans la signalisation et les process cellulaires. Il y a un petit pourcentage détecté par la KO qui cause des maladies humaines dans mon échantillon. J'ai fait une comparaison de mon site de la Méditerranée, de l'Atlantique, pardon, avec un site de la Méditerranée. Avant de vous montrer la comparaison, je voudrais vous situer à la position du Maroc sur la carte. Le Maroc, c'est un pays qui se situe au nord-ouest de l'Afrique et qui est séparé de l'Espagne du côté nord par le détroit de Gibraltar, qui a une largeur de 14 km. Le détroit de Gibraltar est en fait un passage maritime entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Ça, c'est le côté nord du Maroc. Et ensuite, l'océan Atlantique occupe tout le long du côté ouest du Maroc. Moi, j'ai fait une comparaison entre un site sur l'Atlantique, ici, et un site sur la Méditerranée. Au niveau phylum, il y avait un pourcentage d'un type appelé Bacillariophyta qui n'existait que sur mon site, celui de la ville de Casablanca, avec un 0,45%, ce qui suggère de le considérer un biomarqueur de mon site. J'ai sauté l'étape de comparaison au niveau domaine car il n'y avait presque pas de différence entre les deux sites. Le Bacillariophyta, c'est une algue microscopique unicellulaire qui entre dans la catégorie des diatomes. Elle dispose d'un agent à activité anti-obésité, anti-cancer, anti-inflammatoire et antioxydante qui s'appelle la fucoxanthine. La fucoxanthine, c'est un caroténoïde marin extrait à partir d'algues marines et aussi de Bacillariophyta. Pour conclure, les micro-organismes marins jouent un rôle primordial dans le maintien de la stabilité des écosystèmes marins. Et malgré leur taille microscopique, ils servent à produire de l'énergie, ils sont impliqués dans les cycles biogéochimiques et aussi ils servent à recycler la matière organique et régulent les changements climatiques. Avant de terminer, mes résultats seraient beaucoup plus efficients si je les avais comparés avec tous les sites de l'OSD, par exemple, ou bien comparer juste mon site, mais dans des dates différentes, pour savoir les changements qui ont eu lieu dans un seul site, par exemple. Et par limite du temps, je n'ai pas fait une annotation manuelle, je me suis basée sur les résultats produits par MGRAST. L'annotation manuelle, en fait, m'aurait donné plus de contrôle sur tous les paramètres de chaque étape. Là, je vous ai mis le site web officiel de la compagnie OSD, si vous voulez en avoir plus d'informations, ainsi qu'une chaîne YouTube d'une initiative africaine appelée H3E Bionet. Le H3, il réfère à Human Heredity and Health, les 3 H. Le A, c'est pour African, et le Bionet, c'est pour Bioinformatics Network. C'est une initiative qui donne en fait des cours ou des formations sur des champs en bioinformatique. Le plus intéressant, c'est que presque toutes les formations sont gratuites. Ça, c'est mes contacts. Si vous voulez me trouver sur LinkedIn, je suis sous le nom de Zineb Mohsin. Sur Facebook aussi, et vous pouvez me joindre sur mes deux Outlook. Je profite pour remercier chaleureusement Dr Nadia qui m'a offert l'opportunité de m'introduire à ce groupe. Je profite aussi pour remercier mon professeur Hassan Razal qui m'a encadré tout au long de mon analyse métagénomique durant ma maîtrise et avec lequel j'ai participé à plusieurs activités telles que l'organisation d'un congrès panafricain de dépistage néonatal
qui avait eu lieu en 2019 dans sa première version au Maroc. Je remercie aussi le professeur Benoît Barbeau qui m'a accueilli dans son laboratoire sous la supervision du chef du laboratoire Dr. Yang au département des sciences biologiques à l'UQAM. Et avec lesquels j'ai mené ma recherche de détection du virus ATCV1. Donc, et je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'étais claire. Merci Zeynep. Merci à vous. Je vois plusieurs questions pour toi dans le chat de YouTube. Alors, je vais te les lire. Donc, la première question, est-ce que vous avez utilisé la chimie à deux couleurs ou à quatre couleurs de Illumina? En fait, pour le séquençage, ce n'était pas moi qui a fait le séquençage, c'était la compagnie OSD. Et je n'ai aucune idée sur le déroulement précis du séquençage. Et pour les couleurs chimiques, est-ce qu'il veut dire que à propos des nucléotides ou bien quoi? Je comprends pas bien la question en fait. Mais si c'était à propos des couleurs des nucléotides, donc il y avait quatre couleurs pour chaque nucléotide. Donc et sur la flow cell, il y avait une détection en temps réel de chaque nucléotide qui s'ajoute. Qui s'incorpore dans la séquence. Mais si je peux clarifier oui. La question? Ben oui. Dans le fond, c'est Sébastien Boivin. La question, c'est parce que dans le fond, dans le temps, je pense que les ISEC, les Illumina ISEC 2000, c'était quatre couleurs. La chimie, si je ne me trompe pas. Puis là, après, ils ont sorti les Illumina NovaSec, qui sont deux couleurs, donc qui permettent un plus gros volume de production de données, mais si on veut des façons de les analyser différentes. Mais c'est certain que si on parle des FASQ, c'est comme vous dites, là, c'est pas vraiment un problème que vous avez été concerné vu que vous commencez directement avec les séquences de nucléotides. Mais ça demeure que c'est toujours intéressant de savoir quel instrument a été utilisé. Ah oui, mais malheureusement, j'étais pas. J'assistais pas au séquençage, donc je ne sais pas exactement ce qui a été fait ou c'est quoi les étapes okay. Qui ont fait exactement. Donc voilà. Parfait. Parce qu'en fait, nous, les échantillons, on les envoie à la Grèce directement et c'est eux qui s'occupent de la partie du séquençage. Et nous, ils s'occupent aussi de la partie du démultiplexing. Donc, ils enlèvent les adaptateurs et tout. Donc, ils nous fournissent les séquences déjà prêtes. Sous format FASTQ, pardon. Est-ce que tu veux que je pose mes autres questions, dans le fond, ou... Oui, bien sûr. L'autre, c'est pas une question, c'est plus un commentaire, c'est quand tu dis séquençage de 16S, c'est mieux de dire 16S RNA, parce que 16S, c'est juste une unité de sédimentation, fait que tu pourrais avoir quelque chose qui n'est pas de l'ADN, qui sédimente à 16S, à 16S. C'est juste pour la notation. OK. Mais c'était juste un exemple. Est-ce que vous parlez de l'exemple que j'ai fait de Je parle de ta slide. Tu avais une slide divisée en deux. À gauche, il y avait séquençage 16S, puis à droite, séquençage shotgun WGS. Oui. C'est juste pour te dire que la bonne façon, c'est 16S RNA pour compléter le... OK, parfait. Merci pour la clarification. Je vais l'ajouter maintenant. Oui, c'est ça. Oui. L'autre chose, c'est la nomenclature, c'est quand tu dis des reads, t'es probablement mieux de parler de fragments, vu que t'es en mode pairé. T'es en fond de ton fichier FASTQ, t'as des points 1 puis des points 2. Tu as roulé FASTQ dump en split mode, mais ça veut dire que t'avais des fragments qui avaient deux reads chaque. Oui. Donc, c'est mieux de parler de fragments, je pense. OK. Sinon, je continue avec mes questions. Oui, mais Metaspade, c'est vraiment bon assembleur, bon choix. As-tu essayé aussi MegaHit? L'assemblage de Novo, de tes Pour l'assemblage, non, j'ai utilisé juste Spade. Mais c'est quoi l'outil que vous m'avez dit maintenant? Oui, c'est ça, si tu veux le prendre en note, c'est MegaHit, M-E-G-A-H-I-T. OK, parfait, merci beaucoup.
Moi, dans le fond, j'ai fait mon postdoc en 2014-2015 avec pas mal sur le sujet de ta présentation. OK. Justement, au laboratoire Argonne, où est-ce qu'ils font MGRAST. Je suis au courant un peu de ce sujet-là. OK, puis là, ma prochaine question, c'est... ouais, MGRAST, t'as-tu aussi utilisé QIME? Pardon? Il y a un logiciel qui s'appelle le QIIME, je ne sais pas comment le prononcer. Le Shine, c'est ça, le QIME. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, je le connais, OK. OK, OK. Selon toi, ça se compare comment avec MGRAST? Mm-hmm. Comment tu trouves que ça se compare Chime versus MGRAST? Est-ce que c'est complémentaire? J'ai pas utilisé le Chime, mais je vais refaire mon analyse. Je voulais aussi faire une annotation manuelle, donc pour avoir plus de contrôle sur tous les paramètres. Donc parce que MGRAST il fournit les résultats directement, donc j'ai rien changé dans MGRAST et c'était un peu un inconvénient, mais ouais. OK, puis je vais finir avec ma dernière question. Tu avais 75% je peux se retourner à la slide, celle où est-ce que il y avait un pourcentage de protéines identifiées qui n'étaient pas inconnues. Ici? Oui, c'est ça. Donc là, tu as 74,47% de tes open reading frames qui sont annotés. Oui. Ma question, c'est de ce nombre, c'est quoi le pourcentage qui ont été annotés avec la fonction biologique hypothetical protein, fonction protéique hypothétique? Ah, bah, cette question-là, je n'ai pas de réponse, malheureusement. OK. Mais c'est quoi le hypothetical souvent dans les annotations automatiques, ce qui sort de là, c'est ça a identifié beaucoup de cadres de lecture génétique là, pour les open reading frames. Okay. Il y en a beaucoup de ces cadres de lecture-là qui sont peut-être faux. Mm-hmm. Parmi ceux qui sont vrais ou faux, il y en aura que dans le fond, ils vont être attribués la fonction, dire on ne sait pas c'est quoi, mais ça a l'air d'une protéine. Okay. C'est ça, dans ce temps-là, dans l'annotation, c'est écrit habituellement. Hypothetical protein. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne. Mais... OK. Je pense que c'est ce hypothetical proving. Je pense que j'aurais eu plus de contrôle si j'ai fait une annotation donc, sous la ligne de commande, n'est-ce pas? OK, ça marche. Ouais. Ça complète mes questions, merci. Merci. Oui, il y a Mona et Mathieu qui voulaient parler. Peut-être Mona, ta question? Oui, c'est moi, en fait. Merci. D'abord, peut-être je vais répondre rapidement aux questions, je pense, de Sébastien pour Chime et MGRAST. À ma connaissance, Chime est utilisé juste pour analyser les données de l'application sequencing, alors pour 16S, 16S. Tandis que la présentation actuelle était sur métagénomique, j'entends. Alors, c'est complètement différent de la plateforme. Mais ma question, en fait, pour Zéna, et ma première question est, c'est quoi la méthode statistique que tu as utilisée pour comparer tes phylums de bactéries? Oui, donc pour toute cette comparaison-là, je me suis basée juste sur MGRAST. Donc, sur les résultats qu'il m'a fournis, je n'ai rien changé là-dedans. Donc, c'est MGRAST qui m'a fourni tous les résultats statistiques et tout. Donc, okay. C'est pour cela que j'ai dit à la fin que par limite de temps, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir plus de contrôle sur tous ces paramètres-là. C'est ce que je compte faire. Je compte faire une annotation beaucoup plus manuel pour avoir un contrôle parce que ça se peut que ces résultats-là ne sont pas très efficients. Voilà, c'est pour cela que... C'est même pas clair, c'est quelle méthode qu'il utilise maintenant pour les comparaisons. Maintenant, ceci, mais je crois que les détails seront ici. Mais je pense que dans le site web de MGRAST, ils peuvent faire une description des
des étapes précises, mais moi, je ne suis pas rentrée beaucoup en détail là-dessus. Oui. J'ai une autre question, c'est ma dernière question. Pour les bactéries, tu as juste comparé tes bactéries au niveau du phylum ou tu as regardé les autres niveaux taxonomiques aussi? Il y avait le niveau domaine phylum. Oui, c'était juste ces deux domaines-là que j'ai comparé. OK. Ça me semble que pour les bactéries, même au niveau du genre, on a assez de connaissances pour comparer les bactéries et savoir, mettons, quel genre est responsable de quelle fonction. J'étais juste curieuse pour savoir si tu as regardé s'il y a des différences. OK. OK. Merci beaucoup pour ta belle présentation. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Mona, pour la clarification sur Kim qui fait juste applicant sequencing. Merci. Je n'avais pas saisi ce détail-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à la prochaine présentation. Peut-être une. Par rapport à MGRAS, dans mes souvenirs, quand je l'ai utilisé, ça donne des dénombrements de quantités d'enfants. Ça donne des dénombrements, mais je ne sais pas si ça compare deux échantillons. C'est peut-être ça ta question un peu, Mona, dans laquelle tu veux aller. Si elle compare deux échantillons? Parce que, dans le fond, toi ici, tu as comparé deux sites d'échantillonnage. Il y en a un que tu as trouvé qui avait tel phylum, puis l'autre, il ne l'avait pas. Fait que tu dis que c'était un marqueur, mais dans le fond, la question de... Vas-y, excuse. Je pense qu'il y avait cette possibilité-là de faire entrer les données des deux sites ou bien de plusieurs sites, okay. De faire une comparaison, oui. Mais moi, j'ai juste fait une comparaison au niveau phylum, juste à l'œil nu. Oui, voilà. Mais je pense que ça existe sur MGRAST. Parfait, merci. Merci. Et merci, Zineb. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Zineb pour la présentation. Merci à vous, docteur. Donc, la prochaine présentation va être faite par Asia Trofimov. Je connais Asia depuis plusieurs années. Elle a fait d'abord son bac en biochimie à l'Université de Montréal. Et ensuite, elle a fait une maîtrise en bioinformatique avec un profil machine learning et statistiques. Et maintenant, elle termine un doctorat en informatique. Elle s'intéresse beaucoup aux méthodes d'apprentissage profond, au deep learning et à l'apprentissage de représentation. Donc, et aussi, elle a beaucoup de collaborations avec les gens à Mila. Tu peux me corriger si c'est... Si jamais. Donc, je suis très contente que tu sois ici. Ah oui, elle fait son doctorat avec Sébastien Lemieux et Claude Perrault. Donc, Asia, je crois que tu t'intéresses aussi. Aujourd'hui, tu vas nous parler de génomique, mais tu t'intéresses beaucoup aussi à l'immunologie. Donc, je pense que ça fait un petit peu le tour et je te passe la parole. Merci, Geneviève. Ma présentation est en anglais. Donc, j'espère que c'est correct. C'est parfait. OK. Right. Pardon. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Hi, everyone. Thank you so much for inviting me to present at MoBug. I'm very excited. And today I'd like to talk to you about building data-driven cell atlases with deep learning. So atlases emerged in the 19th century with the development of cell dyes, which were mainly used to sort of sort out through different tissue types within the body. And so most of the atlases were based on morphology. So, you know, visually, a red blood cell does not look like a Sertoli cell, for example. And some of them started to sort of be more based on function, where it's more about what the cell does in the body versus what it looks like. Now,
nowadays, cell identification is done more using specific cell surface markers. So here is an example down here. It's the developmental stages of a adaptive immune system cell, the B cell. And you can see that it goes from the stem cell to B cell, and there's different stages. And here in these beautiful colors are the different cell surface markers. And you can see that they actually vary through the stages. But the takeaway over here is really that cell sort of types or stages exist as a continuum and not like, you know, clear cut stages as what was used what was thought before. Okay. And so basically the core of my project is to build a cell atlas using high throughput sequencing methods such as RNA sequencing. So the point is that since all cells have the same DNA but have this like variability of, you know, features and functions, it's all based on which genes are transcribed and which proteins are made, and it goes from there. So what it looks like, well, gene expression data I like to think of them as more like tables. So you would have different samples over here, and then you would have different genes. And here we could, instead of having values, we can put them as a color code where, you know, darker means more and lighter means less. And then one way of doing this is you can actually order your samples by how similar, you know, the gene usage is. So you would expect that two cells that have almost the same gene usage profiles would kind of be similar. So this is what this is. This is clustering. So you're grouping things by similarity. But one other way of doing this is, instead of like looking at this huge matrix with all the values, you could learn, or you know, get through some sort of algorithm a representation space. Now, I'm going to use space a lot, and I'm going to use representation space a lot. But what I mean here is that each point within this representation space represents a sample. So like this would be, let's say, the heart of patient X, and then this would be the heart of patient Y, for example. You can also do that for genes. So this is gene, I don't know, A, this is gene B. So there are many algorithms that exist that do this kind of thing. So these are mainly dimensionality reduction algorithms. And some of them do exist for genes that are mostly based on gene sequence. But very little of them actually do this simultaneously. So do this and this together. And so the work I'm presenting today is learning these two spaces based on actually using tensor factorization. So the ones that I put in red are also models that exist that do something similar, that are kind of related. So if on va lui laisser quelques secondes, ça devrait être reparti. Il n'y a pas de problème. OK. Attends, laisse-moi vérifier. Est-ce que tu peux changer de slide? Oui. Juste vérifier. Il y a tout le temps un petit délai. Oui, c'est bon, c'est reparti. Tu peux y aller. Right. Sorry for the interruption. So, basically, having these two spaces would allow us to answer questions such as, how are patients similar given their gene expression, or how are genes usages similar across different patients, for example. So just like a quick introduction to how we formalize the whole thing. So this is the gene expression matrix. I call it X. There is N samples. So the size of X is N. And each one of these samples, so each column is of
M features. So there's M genes and N samples. So there's going to be N by M different values. And each value here, so let's say gene 3 in sample 1, is referred to as Xij, where I refers to the index within the samples and J refers to the index within the features. So the model that I'm presenting, the factorized embeddings model, learns two functions that map between the index of certain index I to a new coordinate space for samples and from coordinate J, so the gene, into a space of genes. Now, it takes in the two sets of coordinates and attempts to predict the data. Now, it's really, I really want to stress this, that the data does not come into the model from here. The model does not have access to the data at all. It predicts some coordinate, which is not good. And then when it receives the data here, it compares it. So we're comparing using a mean squared error. So it's just a difference between the reconstructed data and the actual one. Using that loss, it's going to adapt the coordinate system. So you're forcing the model to move these coordinates so that they are enough to reconstruct the data. I thought that it would be cool to sort of go through it with like a toy example. So let's say this is our gene expression matrix. So there's 5 samples and 3 genes. And so I put it like this. So here are the 5 samples, here are the 3 genes. How would we put this, the things in space? So like which point, let's say we're working with samples, which point is close to the other one? Well, 0 and 2 are kind of the same because they express at level 0 all 3 genes. So it makes sense to put them somewhere here, for example. And then 1 is actually the opposite of 0 and 2. So you can see that it's exactly the opposite. So it's like on the other side over here. And then 3, which is this one, it has 2 genes at 0 and then 1 at 1. So it's similar, more similar to 2 than to 1. So probably it's going to be closer to 0 and 2 than to 1. And then 4, similarly, is going to have 2 genes at 1 and 1 genes at 0. So it's closer to 1 than to 0 and 2. So this is like the ordering that we came up with by hand. And similar thing you can do for genes. The 2 genes that are the most different are 1 and 2, so you know, opposite. And then 0 is kind of in the middle. So let's put it in the middle. Okay, so this is our prediction. This is the trained model. So here you can see that 0 and 2 are together. And 1 and 4 are here. So, I mean, you can probably guess that we could have, you know, flipped this anyway, and it would still kind of work. And similar to this. So, like, this is the general idea, is that the model learns to move these coordinates in order to make sure that things that are similar are close by and things that are different are further apart. If you take distances within this space. So here I'm measuring a Euclidean distance. So just as if you would take a ruler and measure it like this. So let's say between 0 and 2, I'm measuring a distance, and I'm measuring also a distance between 0 and 2. I put it here, and then this is the distance. Yeah, I should have put an axis label, I'm sorry. But this is the real distance. This is the distance here. And you can see that all of them are sort of conserved. And if you measure a Pearson correlation between the two, you see that the correlation is high. So this means that the model keeps the same kind of distances between the samples. And it's kind of the same for genes as well. The other thing is that if you take a certain point, since this is now a space, you can actually make a grid over it, like a more fine than this. And then for every coordinate on that grid, you can predict what would be the distance, like predict a new sample and measure the distance to all of these. So you can see that this is kind of like a boundary, right? So anything that is within this boundary,
is going to be closer to 1 than to 4 than to 3 than to 0 and 2, and vice versa. When you're looking at distance to 0 and 2, whatever is here is going to be very similar to 0 and 2, and then you know, a gradient outwards. And obviously, if you can do that, you can also predict new values. So here we take, let's say, this point. This is gene 0, and this is the red is, or pink, rather fuchsia, is 1s, and then blue or cyan is 0s. So here the model predicts that this is the threshold for which the predictive value will be 1, and then 0, and then 1 for the three genes. And this is the new sample that doesn't exist. It's not in the data set, but we created it because this is a dense space, so we can interpolate and generate new data. So this is pretty much how the model works. Obviously, this is a small data set and, you know, sort of toy example, but I hope it makes you understand better what is really going on. The actual data that I used is coming from the GTEx court. So it's the GTEx portal. You can go here. It's nice. they have about 30 different tissue types. So there's about, I think, something like a good 800 people. And then every person has donated some part of their organs to science. And then these tissues were sequenced. And so the matrix is about 1,000, maybe like 6,000 by, so 6,000 samples in 30 different tissues and about 50,000 genes. So transcripts, not genes, but I'll say genes. So we can actually visualize what's going on when you're training this model. So this is the sample embedding space. And as it's training, you can see that it's learning to push out the coordinates for each of these tissues out and group the ones that correspond to the same tissue. So breast is pushed out from uterus and heart. And then you can actually see that there's a smaller separation. I don't know if I can pause this. Okay. So there's actually a smaller separation here that is learned between this subtype. So these are both hearts, but left ventricle is a bit different than atrial appendage. Don't ask me how, I don't know that answer, but it's still learning some like smaller degree of separation. Now, obviously looking at things is not enough for knowing for sure that it's working. So one of the things I did is kind of like what I showed you with the toy example is I took some specific genes. I'm not showing the full results from the publication because I thought it would be more interesting to have like a sort of how it's working instead of loading you up with results. But I specifically selected three genes, or rather groups of genes. So MYL2 is a gene that is specific to muscle cells. So in my data set, I have heart and muscle, and these are the two muscle tissues. So it's a tissue-specific gene. Keratin is expressed in epithelial tissue or skins. So there's actually the actual skin, but there's also lungs and intestine and anything in the digestive tract, actually. And then CD8B is a gene that is expressed by a specific category of immune cells. So these are the three reporter genes. And here, this is the sample embedding space with centroids for each tissue. So the white dots are centroids for different tissues. And I annotated the ones that are kind of relevant to whatever we're looking at. So here, this is the space. And now black is high expression and sepia is, yellow is like 0. And so the predicted expression over here is lower, well, a lot lower than whatever is predicted here. So you can see that the samples that are here, so around the heart and muscle centroid, are predicted to have a higher
expression of MYL2. Similar with keratin, you can see that the different cells that are within this like dark region are actually the cells that do express a lot of keratin. And for CD8B, it's also the same. So blood contains a lot of immune cells, and spleen is kind of like a graveyard for immune cells. So it makes sense that the two express a lot of it. These centroids, I haven't annotated them, but they're these. And actually, a lot of these tissues are infiltrated by immune cells, because the immune cells are there to get rid of invaders, since these are mostly, well, a lot of these are kind of barriers between the outside world and your insides. So it kind of makes sense that there's a predicted smaller amount of CD8B expressed there. Can you see my cursor? No. No? Okay, so, all right. Is it easier, like now, can you see my cursor? Like that, yes. Oh, yeah, okay, still like that. Right, so is it okay with everyone that I continue my presentation with this so that I can point to things? Yes. Yes. Okay, great. Sorry if it's less formal, I guess. Is it easy to hide the slide layout left, right panel? Oh, like this? Is that it? Something like that, yes, thanks. Is that better? Yes. Okay, great. Yay. Okay, great. So, thank you for understanding. All right. So now, now the question is how to switch slides. Right. Okay. Nope. Try pressing page down, maybe. Mm. On the keyboard. Yeah, I don't have that. Okay. Right. Function down will do it. Sorry? Function down should change. Oh, function down. Okay, yeah, I see. Because I don't have. No. Sorry. Oh. Nope. All right. Okay, let's go with this. So the other thing that this sort of space allows to do is actually to interpolate. So here, one of the tests I did was to take a certain like two groups. So let's say the blacks are kidneys and then the reds are lungs. Then we measure between the two centroids a vector U, which is a vector of transformation to be applied to any of these points. And then we can take a point and create, you know, once we transform it, create a new point. And this new point should be close to, well, I mean, we're wondering what is it going to be close to in this embedding space. And so that's disgusting. Okay, once we did this this transformation, I measured how close it is to different points. So it's always closer to the actual point for that person. So if you take the liver for one person, so the sample that is the liver for one person, and you transform it, let's say, to lung, it's going to be always closer to the lung of that specific person rather than other people. So here you see the tissue is the same, but then the sex is not the same or the same, and then it's not the same person. So it's always closer to the actual person. There's this surprising result that it's actually also maybe in some cases somewhat closer to other tissues of that person. So person ID is plus. And I think what it's doing is it's sort of retaining some genes that are specific, like gene patterns that are specific to that person. So I haven't dug into this. So it's not something I know much about right now. For genes and gene representation space, so now we're sort of switching from this one to like actual genes. And I categorize genes by tissue specificity. Tissue specificity is kind of a loosely defined term here, but basically some genes are going to be expressed by all tissues.
and then some genes are going to be not expressed or almost not expressed, and then some are going to be expressed in specific tissues. And so this relative measurement is how specific that gene is to a certain tissue or a certain group of tissues. So the more red it is, the more it's specific. And so you can see that there's these like groups that emerge. So here, each point is a gene, and it's colored by tissue specificity. In reality, what I'm measuring is an earth mover's distance for a certain category of tissues for that gene. I can answer more questions if you have about that. If I take the maximum value for each of these genes across all tissues, you can see that these groups actually correspond to specific tissue types. So like if you're looking at specific organs or groups of organs, it seems that there's some kind of grouping by these. And a lot of analyses of gene expression go through gene-gene correlations. And so here what I did is I measured pairwise gene-gene correlation between different genes and their distance in embedding space. So the expectation is that when genes are correlating, they're going to be closer together in space and vice versa. Now, vice versa does not work. So genes that are correlated together, they're close by, but genes that are not correlated are sometimes close and sometimes far. So one of the things that is encouraging is that there's no genes that are highly correlated but far apart. So this is kind of good. But for the genes that are close by but not correlated, I think that since the data set is highly sort of heterogeneous, there's many tissues and there's many things going on, I think this is one of the problems the model has to deal with and sort of make decisions as to what to make close versus far. But I'm saying this as like a hypothesis. I haven't actually tested it. And finally, gene function. So genes are also categorized into sort of groups. So there's something called gene ontology. And so these are, think of it as functional categories for genes. There's some that are very high up in the hierarchy, and they're very broad, like metabolic process. It could mean anything. But then there's some that are very specific, like exos biosynthetic process. So they go from like specific to broad, and they also contain genes that are associated to this in the literature. And so what I was wondering is how genes that are together in these GO terms are close by or further apart. And they're actually following this. So like the more specific GO terms have a smaller maximal distance in the embedding space, whereas the ones that are broader have a bigger distance. So and the relationship is kind of good. So the conclusion here is that the learned gene representation reflects GO term membership. So the conclusions overall is that the model reconstructs data with high accuracy. I think I haven't included the result that says high accuracy, but it preserves sample pairwise distances, and it's also consistent with individual gene levels, gene expression levels, as you've seen with the sort of those like sepia maps. And finally, it's an embedding space that is dense, and it allows for interpolation. So you can sort of transform using vector arithmetics points in the space. And it seems to retain some individual specific information. So this is something that needs to be looked at a bit more on my part. And the gene representation reflects gene tissue specificity, correlation, and also GO term membership. So with that, I'd like to thank the members of the Perrault Lab, Le Mieux Lab, and also Mila Medical for their help, their support. And also, I would like to thank funding agencies that support my work. So I'll take any questions. Merci, Asia. T'as des applaudissements dans le chat. Ah. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions pour Asia? Donc là, on va regarder sur YouTube aussi. Me, I have a couple of questions. I will let others questions first. Ask their questions. Ben non, vas-y, Sébastien. Ah, Camille would like to speak. Vas-y, Camille, puis Sébastien, tu pourrais y aller après. Parfait. Asia, est-ce que c'est correct si je pose ma question en français? Oui, il n'y a pas de problème. OK. Tu avais une slide parce que tu comparais tes embeddings selon l'expression des gènes, je pense. Celle-là ici? C'est dans tes derniers. Dans les dernières. Ouais. Celle-là? Celle-là? Oui, ça. OK. Ah oui, avec la corrélation en bas. Je me demandais juste si ça. Quand tu as regardé la corrélation, je suis juste un peu perturbée parce qu'il y a comme vraiment beaucoup de points sur ton graphique en haut, puis là, très peu quand tu regardes la corrélation avec la distance euclidienne dans ton embedding space. Et je me demandais, est-ce que toutes tes gènes sont là ou est-ce que tu as mis comme un threshold? Ah non, j'ai pris un certain nombre de gènes aléatoires. En fait, c'est, okay. J'ai pris un nombre aléatoire de paires de gènes. Puis je l'ai répété quelques fois. OK. En fait, 20 fois, mais ça change pas beaucoup le graphique. C'est toujours ce pattern-là. OK. Ouais, exactement. Parfait. Merci. Merci à toi. May I? Oui, vas-y. So, first question. Yeah. A very interesting talk, by the way. Thank you. Does the GTEx project has induced pluripotent stem cell transcript expression profiles? You know these cells, they are called IPS. Yeah, and IPS cell are like not specialized. I didn't include iPSCs, but I think the recent GTEx has some. Thanks. But I haven't included them in this work. Can you go on slide 13? Yeah. Yeah. So that's a lot of mathematics. The letter K is K the number of dimensions in the yes. embedding space? Yes, exactly. Okay. And sorry, go ahead. Yeah. So a lot of these. So these results. So I mean, this is the toy example. This result was done with only two dimensions. You know, you can see it. I did do it with 50, and I think I have a slide that, can you see the screen? Or yeah? Yes. Okay, I think I have one of the, hold on, sorry. Right, so the embedding, so this is just the embedding size, the number of dimensions, so 2D and then 50 to 100 and a couple in between. And this is just the accuracy on a certain task that I was sort of measuring. And you can see that once you reach 25 dimensions, it doesn't change much, even if you go up to 200. The 2D I was using it mainly for this to sort of look at the plots, but most of the other results in the paper are done on 50 dimensions, which corresponds to this over here. I see things. Yeah. Can you go on slide 29? Sure. So could you use a non-Euclidean distance to measure your distances, or it's important to stick to an Euclidean distance? So for the toy example, it was easy because it's like 2D, and I mean, it kind of makes sense. Did you have a distance in mind? Like for DNA, it's not for a real number or vector, but for DNA, like when we compare two sequences, sometimes mm-hmm. we like to use the edit distance, for instance, mm-hmm. which is like the number of changes you need to do to go from the first sequence to the second sequence. Yeah, so this work I have explored, instead of having gene coordinates, actually having k-mer sequence
as like input, and then having a sort of K-mirror embedding space, but it's a totally different work. Okay, I see. Future publication, that sounds interesting. Yeah, it's on archive, but one of the problems is that there's too many K-mirrors and I can't, I was having trouble with like, you know, just it could like taking too long to train. Yeah. So yeah, that was like one of the. Yeah, because 4 power 31 is like huge. Yeah, yeah. So exactly. So this is one of the main problems with that work. It's on archive. It hasn't been published in a journal because it's not final and it's not like. It's not done. But yeah, it's a good question. Thank you. Okay, can you go on the slide about the arithmetic properties? Yeah, sure. This one? Yes, so my first question was already answered. My question was, what is 50D? But you explained that it's 50 dimensional. Mm-hmm. So if you look at the plot on the right, the y-axis says per Pearson R square. Yes. R square is the coefficient of determination, but R, like not square, like R alone, it's the Pearson correlation coefficient. So maybe you want to remove the square. Okay. Well, when I calculate, isn't it R squared for the Pearson correlation coefficient? Pearson correlation is the root square of a coefficient of determination, which is okay. R square. So. Oh, okay. I see. So remove R, this two. Yeah. Okay. The my next question is more like open-ended. If you go to the next one of the next slide about genes organized. Yeah. This one? Yes. So I don't know. I don't expect an answer. I just like a discussion. How do you interpret the topology or relative positioning of points on the upper left figure? It's like, I mean, it looks like something like a heart or something like that. So it's interesting. So this is 50D that has been, so 50 dimension embeddings that have been transformed to 2D using UMAP, which is a dimensionality reduction algorithm. And so I guess UMAP prefers to make small blobs. By definition, like it's the way it's working is that it's trying to sort of aggregate together and like make these little blobs. So I think part of the interpretation goes into, you know, what was used to reduce the dimensionality. Yeah. If I would have used something else, it probably would have looked different. I see. And okay, so it may be due to UMAP and not your embedding learning. Yes. Okay. And then the related question, is your algorithm or approach sensitive to the order of the points? I mean, when you feed it with points, if you randomize the order of the points given to the deep learning thing, does it change the result? So at every epoch, the inputs are shuffled. Like there's a permutation that is done on the inputs. So Yeah. Sorry. So you already thought about that. Yes, I have. Thanks. Okay, my last question. Can you go on the gene ontology slide? Yeah. So gene ontology, it's organized in three big aspects. First, molecular function. Mm-hmm. Second, cellular component, and the third is biological process. So did you mm-hmm. include the three? No, I only looked at biological process. Thanks. So that concludes my question. Thank you. Thank you so much for your questions. Je vois d'autres mains levées. Gaël? Oui. Salut, Asya. Bonjour. Oui. Oui, OK. Par rapport à la question, Sébastien, est-ce que tu avais comparé ton UMAP avec UMAP, juste l'embedding de UMAP? Comment tu comparais tes résultats avec ce que tu avais? Oui, donc j'ai fait une tâche. C'est correct si je réponds en français? Oui. OK.
J'ai fait une série de tâches où est-ce qu'il fallait prédire plusieurs... Ben, en fait, c'était sur la cohorte des CGA. Il fallait prédire différentes caractéristiques des échantillons. Et ici, c'est les ranks en termes de performance. Puis, en gros, les factors embedding performent au premier rang à peu près 80-70% du temps. UMAP est comme deuxième, troisième et quatrième la plupart du temps. T-SNE est dans 20% des cas premier, puis le reste deuxième. Ici, c'est la matrice parce que c'est le nombre de fois où l'algo en question est meilleur que... En fait, le nombre de fois où Factorized Embedding est meilleur que l'algo, puis si on regarde ici, la plupart du temps, Factorized Embedding est meilleur que UMAP. OK. Peu importe les tâches. Et ensuite, quand tu fais ton embedding avec tes gènes, en fait, si tu regardes les gènes, si tu prends les gènes qui font ton embedding des cellules, enfin des samples, puis tu regardes les gènes qui sont les plus forts dans ton, qui font le meilleur de ton embedding, ou les gènes les plus variables, est-ce que tu t'attends à ce que ce soit les mêmes gènes qui vont faire tes clusters? Qui vont se clusterer ensemble quand tu fais ton embedding de gènes? C'est ça. Je comprends la question. Non, je comprends. C'est que, en fait, un des trucs avec ce modèle-là, c'est qu'il est très driven par l'expression, donc la valeur d'expression, parce que la loss, c'est une reconstruction sur la valeur d'expression. Donc, c'est vraiment la vraie valeur versus celle que le modèle y fait. Ici. Puis, un des trucs que j'avais regardé, c'était pourquoi est-ce qu'il semble retenir plus d'informations sur le tissu versus le sexe. Puis, en fait, c'est que les gènes spécifiques au sexe semblent moins exprimés en termes de valeur que celles de tissu. Puis, je pense que c'est un peu ça qui drive la... Tu sais, ici, ça, c'est l'expression génique. Puis, ça, c'est la reconstruction, à quel point elle est bonne. Puis en fait, quand l'expression est basse, ben la performance est moyenne versus quand elle est haute, il commence à être vraiment bon pour reconstruire. Fait que je pense que je ne sais pas si ça répond à la si c'est ouais, ça la question. Ouais. C'est ça. Donc c'est vraiment dépendant de l'expression génique. Parfait. OK. Merci. Merci. Moi j'aurais deux questions supplémentaires. I would have two additional questions if I may. Oui, vas-y, Sébastien. So the last question was very interesting. Maybe that was the question, but I'm not sure I understood. So did you take all the expression values and like rescale them between like 0 and 1, or did you use like a minimum maximum scaling? So they are log 10 TPM. So TPM are like transcript per million. So they're kind of already rescaled. And then it's log 10 of that, so that it's not skewed too much towards big values. But okay. It's still a bit skewed. Okay, thanks. And my second question is, so what happened to housekeeping genes, like genes that are express in every cell type, like do they I haven't housekeeping genes would be genes that have a low tissue specificity measurement, so they're not like they don't have enough signal to distinguish between tissues, right? Yes. So I haven't looked at that specifically because it seems that they sort of change through different like publications, and also I have seen some reports that were saying that housekeeping genes might not be as sort of invariant as we think. So I didn't look at that. It wasn't in my priorities, but it would be interesting to look at. I just haven't gotten to it. My last comment here, the left panel, it looks like the head of a bird. The middle, it's like an ostrich. Okay. I mean, it looks like it's like art.
Yeah, maybe I should send it to, Art. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Asia? Sur YouTube, non plus. Ah, excuse, vas-y. Hi, Asia. I have a question. Yes. You showed us a lot of GTEx data from different tissues. Mm-hmm. How does it perform in single cell data when you have lots of dropouts for individual genes? I haven't looked at it like for real. Like I tried it really quickly, I think over one weekend. The main issue is that since there's a lot of dropouts, there's a lot of zeros. And since the model is sort of driven by, expression values in terms of like the actual value, I think that's one of the reasons why it wasn't performing as well as with bulk RNA-seq. But I haven't looked, like I haven't, it wasn't in my plans to adapt it to single cell, but I do, yeah, it is an interesting avenue. You're right. Yeah, I thought it was quite interesting, especially when you said you kind of, you know, if you put a position somewhere in your in the embedding space, you could figure out what tissue or cell type it belongs to. Mm-hmm. So, you know, if you could just average out the zeros to the closest point, it might be a really good way of, you know, getting more data or more cells out of a single cell experiment. Mm-hmm. That might be a good solution. You mean like averaging to the closest point by? Yeah. Like what MAGIC does, or? I'm not sure what that is. Oh, it's a tool that finds the closest point and then sort of fills in the blanks. Yeah. For that specific cell. Yeah, that might actually be a solution. I think. Yeah, that might be a solution. I'm kind of cautious about this because I feel that sometimes taking the most closest point might be like a mistake if you know, there's a big dropout and like it's not actually what you think you're looking at. But I mean, I haven't thought about it. I'm sorry. Okay, thank you. Yeah, thank you so much. S'il n'y a pas de... je vais juste voir dans le chat. Ah, bon, c'est pas une question. Donc, je pense que ça fait le tour des questions. Si jamais vous avez d'autres questions pour nos deux présentatrices, mais vous avez vu Zineb aussi ses coordonnées, vous les a données. Puis Asia, si jamais tu as envie de donner tes coordonnées, tu nous le feras savoir et puis on pourra vous mettre en contact avec Asia. Donc, ça va sur ce, ça clôt le premier meeting Monbug. Si, encore là, on répète, si vous avez envie de présenter, gênez-vous pas, envoyez-nous des messages et puis on va trouver un moment pour où vous allez pouvoir partager vos travaux ou si vous avez envie de nous parler aussi de votre package préféré, il n'y a pas de problème. Tant que ça touche la bio-info, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Donc, merci tout le monde. Ah, oui. J'ai une question par rapport au Monbug. Oui. On peut-tu inviter des gens qui ne viennent pas de Montréal? Oui. Oui, tout à fait. Super. Merci. Moi, je ne suis pas de Montréal. Ils peuvent aussi, présenter. Oui, c'est ça. Mais c'est dans le contexte virtuel, le fait que ce soit Montréal versus d'autres villes, ça a plus ou moins son... C'est plus ou moins pertinent maintenant. Là, les gens de n'importe où peuvent bien sûr présenter. Il y a eu juste une transition, il y a eu des ateliers. Donc, si vous, avec le package, vous voulez faire une démonstration, c'est possible de le faire. Puis, Martin, ta question est quand même... intéressante parce qu'il y a les gens de Toronto qui se posent la même question, de Torbug, qui disent pourquoi on garde ça Torbug versus Monbug. Peut-être pas à soir là, parce qu'il y a une game Montréal contre Toronto, fait que c'est peut-être de la chicane.
Merci tout le monde et puis on se revoit à la prochaine rencontre. Merci. Merci de m'avoir invité. Bye, salut. Merci à CISNEB.